2012, Idée Culture avec deux associés, Nathalie Felten et Arnaud Billard. Nous venions tous les trois de l'univers des bibliothèques. J'avais créé au sein d'une petite équipe un logiciel de gestion des bibliothèques sous licence libre, donc diffusé gratuitement. Des trois cofondateurs qui ne se versaient quasiment rien en 2004, nous étions arrivés à 24 salariés quand j'ai cédé mes parts en 2011. C'est dans ce cadre qu'est née l'idée de l'entreprise qui fait que je vous parle aujourd'hui. Et en 2011, alors que je formais les bibliothécaires du musée Rodin, c'était en discutant autour d'un café avec la responsable de la photothèque, j'ai constaté le manque de solutions libres pour la gestion des collections patrimoniales. En cherchant pas mal, j'ai fini par trouver Collective Access et envoyer des premières propositions de modifications de code et de nouvelles fonctionnalités. Issu d'un double cursus, gestion des entreprises culturelles et développement informatique, là, même mes études d'histoire et d'histoire de l'art rejoignaient mon expérience professionnelle. Deux de mes ex-collègues m'ont alors suivi, un formateur, Arnaud, et une chef de projet, Nathalie, et sont devenus associés minoritaires. Dans la foulée, nous créions alors Idée Culture pour pouvoir commercialiser en France et dans la francophonie des services autour de Collective Access. Cette année, Idée Culture fête ses 8 ans et en janvier, nous serons 8 dans l'équipe. Ces dernières années, nous avons marqué quelques belles victoires, avec notamment la validation pour l'inventaire et le récollement des musées de France par le ministère de la Culture. Nous avons également remporté des appels d'offres prestigieux, comme la gestion des collections de la Villa Médicis, la gestion des collections de l'INRAP, l'archéopréventive, mais aussi sa galerie muséale, le musée virtuel de la SACEM, la phonothèque historique de l'océan Indien. Allez, dernière prise, et on se rentre.